Alors dans cette vidéo, on va réviser un petit peu de trigonométrie. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit soit ABC un triangle rectangle en B. Et effectivement, on a bien notre angle droit qui est ici en B. Petit A, quelle est son hypoténuse Donc l'hypoténuse, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit, ici comme on a notre angle droit en B. L'hypoténuse, et eh bien c'est CA, ici, donc CA. Petit b, quel est le côté opposé à l'angle ACB On a notre angle ACB qui est ici. Le côté opposé à cet angle, c'est le côté AB. Ensuite, quel est le côté adjacent à l'angle ACB Le côté adjacent, ça veut dire qui touche. Et donc le seul côté qui touche, mais qui n'est pas l'hypoténuse, c'est le côté CB ici. Donc CB. Ensuite, petit d, quel est le côté opposé à l'angle CAB On a notre angle CAB qui est ici. Le côté opposé, ça va encore une fois être le côté CB. Donc toujours CB. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de voir que le côté opposé à un certain angle peut également être le côté adjacent à un autre angle. Et donc, enfin, Petit E, quel est le côté adjacent à l'angle CAB Toujours notre même angle. Et on voit que le côté qui touche mais qui n'est pas l'hypoténuse, eh bien c'est le côté AB. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider à un petit peu revoir ce que c'est que la trigonométrie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner et puis on se voit dans la prochaine vidéo.